Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Les 144 000 ne rencontreront pas l'agneau sur les nuées. Pourquoi? Pourquoi? Les 144 000 ne rencontreront pas l'agneau sur les nuées. Pourquoi? Et nous, tout d'abord, commencer par remercier le Seigneur, nous capables là aujourd'hui, hein, pour nous capables d'ouvrir parole et pour nous capables parler de sa parole. C'est déjà une bénédiction de la part du Seigneur que nous reconnaissons et nous saluons tout le monde dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Les 144 000 ne rencontreront pas l'agneau sur les nuées. Pourquoi? Nous connaissons dans la Bible, gagnons un passage qui annonçait que gagnons un groupe monde qui va gagner pour rencontrer Christ sur les nuées. Cependant, nous pouvons lire un autre passage dans la Bible qui parlait de un autre groupe monde. Que yo-même, yo pas rencontrer Christ sur les nuées, mais yo va rencontrer Christ sur la montagne de Sion. Et premier passage que nous pouvons lire pour nous introduire sujet nous, c'est Apocalypse 14, le verset 1er à 3. Apocalypse 14, verset 1er à 3. Moi, t'as aimé faire nous comprendre le livre Apocalypse là par cœur. Si bon Dieu permette, nous t'as aimé faire ça. Mais nous connaissons, c'est pas moi qui a fait, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Oui, chapitre 14, Apocalypse 14, verset 1er à 3, il dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. L'agneau se tenait où? Sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Verset 2. Et j'entendis du ciel maintenant. Ouais, premièrement, dans verset 1er, lit. Ouais, 144 000 avec l'agneau sur la montagne de Sion. Mais dans verset 2, il n'y a pas ouais. Mais il tendait, il y a l'autre groupe monde. J'entendis du ciel une voix. Il y a l'autre groupe monde dans le ciel. Verset 1er, 144 000 sur la montagne de Sion. Verset 2, il y a l'autre groupe monde dans le ciel. Deux endroits différents. Verset 1er, c'est montagne de Sion. Verset 2, c'est dans le ciel. Verset 1er, il y a ouais, 144 000 moun. Dans verset 2, il n'y a pas moun, mais il tendait. Il tendait un groupe moun. On continue, verset 2. J'entendis du ciel maintenant. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de plusieurs joueurs de rap jouant de leur harpe. Ils tendaient une voix, mais ils parlaient des voyants seul monde. Voix, ça entendait, c'est plusieurs monde. Selon j'entends des voix, c'est plusieurs monde qui ont chanté d'une seule voix. Tant qu'il y a un choral, là, un choral a chanté, c'est plusieurs monde, mais on entendait une seule voix. Mais, on sentit, c'est bande, une quantité de monde qui mettait ensemble pour chanter un seul chant. Ok. J'entendis du ciel. La voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Harpe, c'est un instrument qui t'accouille une guitare. Harpe, c'est un instrument qui t'accouille une guitare. Ok. Verset 3. Il chantait un cantique nouveau devant le trône. Campé là. Qui moun kap chante cantique nouveau, hein? C'est joueur de rap, yo. C'est pas 144 000 kap chante.
1-1. Nous parlons du verset 3 qui explique ça. Nous connaissons témoin Jéhovah, fait nous connaissons ce monde qui chante, c'est 144 000. Mais l'offre lecture, ce n'est pas ça le dit. Il t'a parlé de joueur de rap, il tendait dans le ciel. Et puis, il y a chanté un cantique nouveau devant le trône. Qui est devant le trône? Joueur de rap. Ce n'est pas 144 000 qui est devant le trône. C'est joueur de rap qui est devant le trône. OK. Et les joueurs de rap chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Tellement vrai, nous parlons. Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Personne n'a pas apprendre cantique que joueur de rap a chanté, sauf 144 millions qui étaient capables d'apprendre chant ça, cantique nouveau ça, que groupe moun nan ciel, joueur de rap sa yo a chanté. Donc là, nous gagnons rapport élève et professeur. Qui moun ki élève capable kap photocopier chant? C'est 144 millions kap photocopier sous la dictée de groupe moun ki déjà dans ciel kap chante. Donc verset 3, li dit ils chantaient, ils sont pronoms qui remplace yon moun, mais yon groupe moun au pluriel. Mais qui moun li remplace? Il chantait, c'est pas 144 millions qui chantait. Non, c'est le joueur de rap qui dans le ciel là, qui chantait un cantique. Tellement vrai, 144 millions pas même connaît le cantique là. C'est alors que y a photocopié sous la dictée, y a apprendre dans main groupe moun ki nan ciel ki déjà ap chanté. Donc là nous commençons à comprendre deux groupes différents entre le verset 1er et le verset 2. Et nous comprenons tous ces deux régions différentes entre verset 1er et verset 2. Verset 1er sur la montagne de Sion, verset 2 à lui-même c'est nan ciel. Verset 1er, c'est 144 000 moun. Verset 2 à lui-même, c'est les joueurs de rap. Et qui moun qui professeur? Qui moun qui élève? C'est joueur de rap yo qui professeur, kap chante yon chant, tellement vrai élève yo. 144 000, c'est élève kap apprend, kap fait copie, kap photocopier. Cantique ça, chant ça que joueur de rap yo même te ap chanté depuis qui côté? Depuis du ciel. Du ciel étant. OK. Donc on y a qui moun ki nan ciel? Est-ce que ça 144 000 ki nan ciel? Non, c'est joueur de rap yo ki nan ciel. OK. Qui moun ki nan montagne de Sion? C'est alors nous comprenons que 144 000 sur la montagne de Sion. Montagne de Sion pas qu'à dans le ciel. Montagne de Sion, c'est sur la terre. Parce que si montagne de Sion est dans le ciel, là nous arrivons dans verset 2, groupe joueur de rap yo, kap chante, verset 2 n'a pas dit yo dans le ciel. Si montagne de Sion te veut dire ciel, symboliquement, dans verset 2, moun joueur de rap yo tap dans montagne de Sion tout, symboliquement. Comme t'as dit, symbole pour symbole, tous deux, ni 144 000, ni joueur de rap, t'as supposé, sur la montagne de Sion symbolique, qui t'a vle dit ciel. Mais nous vînons que non, là, dans le contexte, y a parlé là. Montagne de Sion pas vle dit ciel, tout simplement parce que, dans verset 2, il dit, yon l'autre groupe moun dans le ciel. Yon l'autre groupe moun dans le ciel. Nous, nous pas courir symboliser les choses de la Bible, c'est pour nous quitter la Bible à lui-même symboliser. Si mon t'a dit si on te veut dire ciel, c'est Bible là qui t'a lui-même fait nous connaître dans le même chapitre là,
dans même région, dans même passage là, li t'a dit là montagne de Sion veut dire ciel. Ouais, mais là d'autant plus verset 2 dit montagne de Sion, verset 1 dit montagne de Sion, mais verset 2 à lui-même, il dit yon l'autre groupe moun nan ciel. Donc nous on a fait avec deux groupes moun là dans Apocalypse 14 verset 1 et 2. Verset 1er, il concernait les 144,000, mais verset 2 lui-même concernait un autre groupe moun qui relait les joueurs de harpe. OK, d'accord. Maintenant, pendant nous fin faire distinction entre montagne de Sion et ciel, nous fait distinction entre 144,000 et l'autre groupe là qui relait joueurs de harpe, nous fait distinction entre Jean, l'apôtre Jean, ouais, les 144,000, cependant, l'étendait, joueur de rap, il pas comme moi au même. Il pas comme moi au même. Parce que, yon dans le ciel, l'étendait voir sortir dans le ciel, mais il pas comme un groupe moun sa kap chante dans le ciel. Cependant, li ouais, 144,000, sur la montagne de Sion. Cela veut dire, dans l'époque ça, dans la vision ça, Dieu montre lui, Jean était sur la terre, montagne de Sion est sur la terre, montagne de Sion est en Palestine, montagne de Sion est en Moyen-Orient. Côté nous connaît Jérusalem, région ça, en Judée, à la Palestine. Donc, nous pas qu'à symboliser montagne de Sion, vle di ciel là. Tout simplement parce que verset de Adou, on l'autre groupe moun nan ciel. Si montagne de Sion te vle di ciel, li tap tout di verset de Adou, groupe moun kap joué rap yo, yon nan ciel tout. Ou bien yon nan montagne de Sion tout. Cela veut dire, bon, distingo là, entre montagne de Sion, qui en bas sur la terre, et groupe moun ki nan ciel, yo ki en l'air. OK, d'accord. Maintenant, nous avons affaire montagne de Sion, c'est symbolique ciel, nous n'y pas marché. N'y pas qu'à marcher là dans contexte n'a li dans Apocalypse 14 verset 1 et 2. Maintenant, pour nous continuer, verset 3. Apocalypse 1 verset 3. Il dit groupe moun kap joué rap yo, groupe moun kap joué guitare. Y a chanté un cantique nouveau. Personne monde sur la terre dans l'époque ça pas qu'à apprendre cantique ça sauf 144,000 capables qu'on est qui pourquoi qu'on est cantique là mais capables sous la dictée de groupe monde de groupement monde qui déjà dans le ciel qui a chanté cantique nouveau. Question vous poser, pour qui raison 144 millions par qu'on échange. Pour qui ça c'est qu'on y a là, il y a apprendre dans mes professeurs. Pour qui ça 144 000 dans moment que groupe moun kap joué guitare dans ciel a chanté, yo même yo en bas sur la terre. Oui, sujet nous aujourd'hui li rele les 144 000 ne rencontreront pas l'agneau sur les nuées. Pourquoi? C'est là que nous commençons à faire différence entre deux groupes moun, yon nan ciel, yon monte dans ciel, l'autre n'a pas monté dans le ciel. Donc 144,000 moun yo, personnes qui sur la montagne de Sion yo, yo pas monté dans le ciel, y a pour être sur la terre pour apprendre chant. Et nous connaissons il y aura un chant à apprendre par les 144,000. 144,000, c'est élèves là, parce que c'est eux-mêmes qui recevront, qui apprennent dictée dans les mondes qui déjà dans le ciel. Les mondes qui déjà dans le ciel, c'est qui moun yo yé? Comment yo fait trouver dans le ciel avant 144,000? Pas oublier, pendant 144,000 rencontrer l'agneau sur la montagne de Sion, t'es un groupe moun qui t'a déjà rencontré l'agneau sur les nuées.
Ça veut dire, yon groupe moun rencontre la bio sur les nuées, groupe 144 millions yon même, yon pral rencontre la bio, pas sur les nuées, mais sur la montagne de Sion. Deux endroits de rencontre différents l'un de l'autre. Nous pouvons lire passage côté, te gen yon annonce côté yon groupe moun te gen pour rencontrer Christ sur les nuées. Nous pouvons lire ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. Nous pouvons voir la différence là. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne pouvons pas prendre des vents. Nous ne pouvons courir prendre des vents par rapport à son vivant et puis monde qui mourit en Christ qui est mourir. Ok. Ça veut dire, comment ça peut le faire? Mais comment l'a fait? Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts qui t'es mouru en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, c'est pas tout le monde qui a ressuscité, fois ça. Seulement les morts en Christ qui a ressuscité premièrement. Ok? Et l'autre mort, les gens qui va mourir en Christ, qui l'a ou pas ressuscité? Après, net, ça, nous pas dans le sujet, ça, je dis là. Ok. Verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui pas de guette mourir, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts en Christ ressuscités. Fait que ressuscité là. Nous serons ensemble enlevés avec eux sous des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, nous faisons distinguo en deux passages de la Bible. 1 Thessaloniciens 4, verset 17, dit, yon groupe moun va rencontrer le Seigneur dans les airs. Cependant, Apocalypse 14, verset 1er, li dit, li wè 144 000 moun sur la montagne de Sion avec l'agneau. Donc, lieu de rencontre, 144 000 avec Christ, c'est pas dans les nuées. Lieu de rencontre des 144 000 avec Christ, c'est pas dans les airs, mais sur la montagne de Sion. C'est là, moi, je dis, la Bible, c'est un livre qui coordonné. La Bible, c'est un livre qui coordonné. Il n'y a pas d'où ça, là, il mélange les choses. Et c'est là, tout le monde vient voir que montagne de Sion pas vle dit dans le ciel. Parce que si montagne de Sion te vle dit ciel, il n'y a pas besoin de faire pléonas. Font pléonas. Et non, Apocalypse 14, verset 2, il dit, moi, ouais, on l'autre groupe moun dans le ciel. Donc, on a l'autre groupe moun qui déjà dans le ciel qui a chanté là, yo. Qui a chanté cantique nouveau là, yo. C'est qui moun yo yé? C'est exactement groupe moun qui te monté sur les nuées dans les airs. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, yo. Groupe moun, Apocalypse 14, verset 2, ou tende kap chante dans le ciel, un cantique nouveau, avec guitare, nan men yo, yap chante. Ce qui groupe moun yo, c'est exactement groupe moun sa yo qui te enlevé dans l'enlèvement, sur les nuées, dans les airs. C'est yo même nous trouvons là, qui monte avant, bien avant les 144 000, yo getan konne cantique nouveau, hein? Tellement vrai, c'est yo même jodia qui, dans l'époque ça, et pas jodia, dans l'époque ça pas le fait là, ça beaucoup fait, ça beaucoup fait non? Dans l'époque ça pas le fait là, c'est yo même qui va gagner pour montrer cantique nouveau ça à 144 millions qui pourra apprendre en différé, qui pourra apprendre
en deuxième main. Donc 144 millions, yo apprend cantique là en deuxième main. Yo pas connaît, yo pas pour connaître cantique là. C'est alors c'est qu'on y a là après l'enlèvement que 144 millions apprend cantique nouveau dans même monde qui déjà t'est enlevé yo. Attendez bien oui, tellement vrai yo gétant enlevé, yo gétant établi dans ciel, yo gétant gagné harp nan men yo a chanter cantique nouveau jouant de leur harp. Donc musicien ça yo cap chanter c'est pas 144 000 cap chanter. Deuxièmement musicien ça yo cap montrer 144 000 cantique nouveau, hein? C'est pas 144 000 cap montrer 144 000 on cantique encore. Vous comprenez? C'est pas vous même cap montrer tout on bagay encore. Non, son l'autre monde cap montrer 144 000 yo. Son l'autre groupement moun kap montre 144 000 yo kantik nouveau ke yo même yo te gen tan konnen ap chante depuis au ciel. Donc nous vinwè ke monta de Sion, Jean Témoin Jéhovah di monta de Sion vle di c'est 144 000 moun seulement qui parle dans le ciel. C'est li tout à fait faux. Au contraire, la Bible fait nous connaître ce groupe moun nan verset 2. Apocalypse 14, verset 2, qui est dans le ciel. C'est pas 144 000 personnes qui sont dans le ciel. D'ailleurs, 144 000 personnes, ça y est, pas gain pour monter dans le ciel. Quand y a là, nous finissons avec un groupe moun ça y est. Groupe moun dans verset 2, qui déjà dans le ciel, qui a chanté. C'est alors, nous à l'aise pour nous chercher, déterminer, et 144 000 yo même. C'est qui moun yo est? C'est qu'on y a nous pas le chercher qu'on est, qui groupe moun ça, 144 000 sa yo yo yé là. Bon, les 144 000 personnes que Christ va rencontrer sur la montagne de Sion, yo fait partie de groupe moun qui a prêté sur la terre après l'enlèvement. Tellement vrai, c'est un différé que yo va ap chercher qu'on est, cantique nouveau que groupement moun qui déjà dans le ciel a chanté. Groupement moun ki déjà enlevé dans le ciel a chanté 144 000 pour apprendre cantique sa yo même juste après en différé après moun verset de yo fin monté dans le ciel c'est là ça 144 000 dans verset premier et nous te dans verset premier yo pour apprendre cantique là dans verset 3. OK, d'accord. Donc 144 000 personnes sa yo yo pas ka monter dans le ciel tout simplement à cause de yon cantique que yo pas bien tant qu'on est. C'est cantique ça qui rete yo bout code rete voyage 644 000 te gen tant qu'on est chant même là avec groupe moun qui déjà dans le ciel là yo t'a trouvé yo dans même époque là dans le ciel là tout. Cependant nous joignent 144 millions par même endroit avec groupement moun qui déjà dans le ciel là yo. Et ce n'est que par la suite que y a copié chant, par la suite que y a copié cantique nouveau ça, y a fait photocopie cantique ça sous la dictée de groupement moun ça yo qui déjà enlevé dans le ciel, sous la dictée de ceux qui furent déjà au ciel, qui furent enlevés au ciel. La Bible dans l'époque ça dit c'est seulement 144 000 personnes ça yo cap capable apprendre cantique ça que moun qui était déjà enlevé dans ciel ça là yo a chanté. C'est ça que fait la Bible relè pour relè 144 000 les prémices de l'époque. Dans tout monde qui sous la terre dans l'époque ça, c'est seulement 144 000 moun cap capable apprendre cantique que groupement moun qui déjà monté dans le ciel, groupement moun qui déjà enlevé dans le ciel là yo a chanté. Pas oublier, la Bible relè 144 millions les prémices de toute la terre. Ça pas veut dire non tout moun qui passait sous la terre, c'est 144 000 moun seulement qui sauvé. Non. 144 000 moun, les prémices de toute la terre, dans l'époque, dans la génération, moun qui vivant après l'enlèvement.
faut comprendre, oui, les ou les prémices de toute la terre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des rêves. C'est 144 000 qui ont sauvé. Ce n'est pas ça. Nous entendons que témoin Jéhovah dit que c'est 144 000 qui ont monté dans le ciel seulement. Ce n'est pas ça. Il dit, dans l'époque après l'enlèvement, parmi tout le monde qui est sous la terre, c'est 144 000 qui ont les prémices. Ça veut dire les premiers à savoir. Les premiers à reconnaître la voix de Christ parmi toute la trier monde qui va rater l'enlèvement, parmi toute la trier monde qui était vivant sous la terre, qui pas guettant enlevé, qui rater l'enlèvement. Donc, là nous dit 144 000, c'est prémisse de toute la terre, c'est pour époque ça, oui. Ça va pas dire c'est depuis d'Adam jusqu'à. Non, c'est pour époque. Exactement, génération moun qui était vivant sous la terre après l'enlèvement de l'épouse. Pas oublier, à chaque époque sur la terre, il y a un groupe moun qui prémisse de toute la terre. Dans l'époque Noé, dans l'époque de Noé, yon semaine avant le déluge de Noé, dans semaine ça, la terre entière, dans tout moun qui était sous la terre entière, te gen seulement comme prémisse. 8 prémices sur toute la terre entière. Dans l'époque Noé, ça veut dire Noé fait 1, Madame Noé fait 2, 3 petits garçons Noé fait 5, 3 belles filles Noé fait 8. Donc, chaque époque sur la terre, bon groupe monde qui tendait la voix de Dieu, bon groupe moun qui connaît le secret de l'époque. Et ce groupe moun ça, la Bible le yo prémisse. Dans l'époque Noé, te gen combien prémisse? Yon semaine avant le déluge, combien prémisse qui te gen dans tout moun qui sous la terre, te gen seulement 8 prémisse dans génération Noé, dans l'époque Noé, une semaine avant le déluge. Ça fait m'a dit 9 moun, c'est parce que nous connaît Métouchela mourit quelques semaines avant le déluge de Noé. Donc, Métouchela, qui c'est grand-grand-papa Noé, moun qui vivent plus longtemps sous la terre, moun qui vivent 969 ans sous la terre, li fait partie de prémices dans Noé. Comme t'a dit 9 moun. Mais, nous connaît, Métouchela, li mourit à 969 ans, quelques semaines avant le déluge de Noé. C'est ça que fait moins dire spécifiquement une semaine avant le déluge de Noé, tu as 8 prémices sous la terre. On pas dit 9 parce que me touche là tu as mouri, il pas vivant dans l'époque là. Cela veut dire dans chaque génération, monde qui vivent dans l'époque génération, toujours gagne un monde qui prémisse. Prémisse veut dire c'est moun sa qui premier tendait qui sa bon Dieu a fait dans l'époque là. C'était Noé avec famille Noé qui était premier tendait qui sa Dieu a fait dans l'époque Noé. Car tout moun pas te croit t'a pas le déluge, cependant Noé et famille te croit que t'a gain déluge vraiment. Ça veut dire c'est eux-mêmes qui prémisse, c'est eux-mêmes qui premier tendait. C'est eux qui tendait. Par rapport à moun qui pas tendait, la Bible Léo, les prémisses au temps de Noé. Combien de prémices qui te gagnent dans Noé? 8 moun. Et mais c'est même genre, dans l'époque âge de l'église, dans le moment, qui moun qui prémisse maintenant? C'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est l'épouse de Jésus-Christ, celui qui premier tende sa Christ a fait. Celui qui premier tende les secrets de Dieu pour l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, dans la partie moun qui va être vivant sur la terre, pour aller des prémices tout. Dans chaque génération, il y a prémisse. Dans chaque dispensation, il y a prémisse. Dans chaque époque, il y a prémisse. Dans l'époque après l'enlèvement, puisque l'épouse enlevée, il part sur la terre. Puisque l'épouse monte dans le ciel, il part sur la terre. Qu'on y a là pour un remplaçant. Monde qui parle remplaçant, qui parle prendre place de prémisse là. Premier monde qui parle prendre cantique nouveau, ce sera, ça nous relève, groupe monde. 144 000 personnes.
C'est ça que fait Apocalypse 14, verset 3, dit nous. Personne moun sur la terre, pas qu'à apprendre, quand tu ça, que 144 millions, t'as chanté là. Pardon. Et quand tu ça, que groupe moun qui déjà dans le ciel. Tenez bien, m'abdil bien. Personne moun sur la terre, pas qu'à apprendre, quand tu ça, que groupe moun qui déjà dans le ciel, yo a chanté, sauf les 144 000 seulement, moun qui vivant. Donc, n'a cherché à déterminer 144 000 moun sa yo, qui sa yo yé. Gen moun ki di 144 000 moun yo, c'est l'épouse. Non, li pa l'épouse. La Bible dit, groupe moun nan ciel getan monté nan ciel. 144 000 pa ka l'épouse. L'épouse getan nan ciel. L'épouse getan nan ciel nan époque sa. 144 000 raté l'enlèvement, mais nan moun ki va vivant sur la terre, génération nan époque après l'enlèvement, c'est seulement 144 000 personnes kap kapab apprendre cantique nouveau ça, que moun ki getan nan ciel, que moun ki getan allé nan ciel, que moun ki getan enlevé nan ciel tap chante la yo. Donc 144 000 moun yo, c'est qui moun ki yo yé. 144 000, si nous allons dans Apocalypse 7, il dit 12 000 de 12 tribus d'Israël. 144 000, 12 000 de 12 tribus d'Israël. Si vous mettez 12 000, 12 fois, il y a 144 000. Il n'y a pas dit 12 tribus de la terre. Dans le livre Apocalypse, il y a une tribu de la terre et puis il y a une tribu d'Israël. Apocalypse fait distinguo entre les tribus de la terre et les tribus d'Israël. Dans Apocalypse 7, ce n'est pas sujet d'aujourd'hui, hein? Mais dans le passé sur l'île, il dit 12 tribus d'Israël. 12 000. Mettez-vous ensemble, il y a 144 000. Côté de sorti, 12 tribus d'Israël. Il n'est pas dit 12 tribus de la terre. Mais l'épouse pas fait partie des tribus d'Israël. Au contraire, l'épouse des nations, la dispensation des gentils, l'épouse des gentils, pas même groupe moun avec les tribus d'Israël. Puisque les juifs ont caloté Jésus, ont craché dans la figure de Jésus, ont dit c'est pas Jésus qui est le Christ. Yo pas quoi que c'est Jésus qui est sauvé. Qu'on y a là, Dieu a la dispensation des gentils. Dieu a cherché une épouse parmi les nations gentiles. Donc, l'épouse pas fait partie des 12 tribus d'Israël. L'épouse pas fait partie d'Israël, non plus. L'épouse fait partie de toute nation, toute tribu de la terre. Et c'est à partir de toute tribu haïtien, français, guadeloupéen, canadien, africain, mexicain, Dieu choisit une épouse parmi toutes les nations, toutes les tribus de la terre. Tribus de la terre différentes de tribus d'Israël. Nous ne pouvons pas compter combien de tribus de la terre qui gagnent, mais tribus d'Israël, ou capable de compter eux. Et c'est comme ça. Nous atterrissons à 144 000 qui fait partie d'Israël. Donc, témoin Jéhovah fait nous connaître que 144 millions, c'est l'épouse. Les 144 000 personnes qui rencontrent Jésus sur la montagne de Sion, ce n'est pas l'épouse. Car l'épouse rencontre Jésus où ça? L'épouse rencontre Jésus sous les nuées, dans les airs. L'épouse rencontre Jésus dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. L'épouse pagaine pour rencontrer Jésus sur la montagne de Sion. L'épouse rencontre Jésus dans les airs. Apocalypse, de préférence, 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts en Christ. Sous des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs.
dans les airs. Donc, yon groupe moun rencontre le Seigneur dans les airs, cependant les 144 000 yon même, yon va rencontrer Christ sur la montagne de Sion en Palestine lorsque Christ va retourner pour la troisième fois. N'a répète encore. Yon groupe moun rencontre Christ dans les airs à la deuxième venue de Christ, deuxième voyage de Christ. Cependant, les 144 000 rencontreront l'agneau sur la montagne de Sion, qu'il est à la troisième venue de Christ. Ils seront les premiers. Premier, je veux dire premier. De pourtant des premiers, c'est bon reste, mon oui. Depuis que premier, sous premier non classe. Sous non classe ou premier, bon reste classe là qui va premier. Ça veut dire, dans tout juif qui gagne, pas gagne seulement 144 000 juifs, gagne plus que ça. Mais les premiers juifs à reconnaître que Christ était vraiment le Messie, dans juif cap vivant, dans l'époque ça, on ne va pas parler de ça qui mourit déjà. Si un juif mourit déjà, dans l'époque ça, il n'est pas fait partie de 144 000. Pour faire partie de 144 000, c'est pour vivre dans l'époque là. Si on mourit si un juif mourit, il n'est pas fait partie de 144 000. Exemple, nous gagnons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un juif, mais il mourit déjà. L'apôtre Paul n'a pas fait partie des 144 000 qui a prêté pour Christ à la troisième venue de Christ. L'apôtre Pierre, c'est un juif. Mais l'apôtre Pierre n'a pas fait partie des 144 000 parce que l'apôtre Pierre mourit déjà. Donc, 144 000 concernaient juifs, mais oui, qui juifs? Juifs qui étaient vivants dans la dernière époque après l'enlèvement. Juifs qui étaient vivants pour Christ qui retournait pour la troisième fois. Mais, qu'on y a là, dans tout juif qui étaient vivants dans l'époque ça, c'est seulement 144 000 en premier qui recevoir le scellement du Saint-Esprit. Reste juif, la Bible nous les reste. Donc, après l'enlèvement, sous groupe tout juif qui sous la terre dans l'époque là, a gagné les prémices des juifs, 144 000, a gagné les restes, le groupe des restes des juifs. Donc, qu'on est là, nous pouvons même entrer dans le reste des juifs. Nous seulement aujourd'hui dans la prémisse. Prémisse veut dire premier. C'est eux qui en premier. Premier devant ben. 144 000 prémisses, mais reste juif qui vivant, qui va vivant dans l'époque là, yo même la Bible léo, les restes, le groupe des restes. Adventiste dit c'est eux même qui restent là. Bon. Vous n'avez pas la Bible bien. Reste des juifs. Reste des juifs. M'baresse manger. Si m'a l'époque, m'vive en l'époque là, m'supposé faire partie des prémices. Si m'a l'époque comme chrétien, ou pas qu'à choisir son reste manger gâteau. Reste manger toujours gâté. De quoi parler de reste manger son bagage qui gâté. Donc, ou Adventiste dit c'est reste yoye, ou pas qu'à reste. C'est premier bouillé, devant bon le bouillé. Donc, dans l'époque, ça n'a pas parlé là, avant l'enlèvement, la Bible dit l'épouse de Christ. Ça veut dire l'épouse, li point deux grands mondes Haïti, deux trois mondes États-Unis, deux trois mondes en France, deux trois mondes en Afrique, deux trois mondes au Brésil. L'homme était ensemble, ça va où l'épouse du Seigneur, la dispensation des gentils. Qui sorti dans la nation des gentils, moun qui pas juif, moun qui pas fait partie de Israël, c'est Dieu choisit une épouse parmi les nations, il a pas enlevé avant les 144 000. Et d'ailleurs, les 144 000 baguen pour aller dans le ciel du tout. Oui, si je nous dis à lire, les 144 000 ne rencontreront pas l'agneau sur les nuées. Pourquoi les 144 000 n'auront pas à rencontrer l'agneau sur les nuées? Nous commençons, ouais, raison. C'est parce que l'épouse
il a été donné à l'épouse de rencontrer l'agneau sur les nuées. Cependant, les 144 000, eux-mêmes, lui va gagner pour rencontrer l'agneau, où ça? Sur la montagne de Sion. Tellement vrai, dans Apocalypse 14, le verset 2, moun qui est enlevé dans ce lieu, depuis dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, c'est le même qui chantait dans Apocalypse 14, verset 2, et c'est le même tout qui jouait guitare dans Apocalypse 14, verset 2, et c'est le même tout qui montrait 144 millions qui cantique nouveau pour yon chanter dans verset 3. Dans Apocalypse 14, verset 3. Bon, il est clair. Tant que vous voulez, moi, je voulais faire nous comprendre Apocalypse là, pas que si bon Dieu voulait. Dans tout ça, va faire, c'est pour dire si bon Dieu voulait. Parce que nous-mêmes, c'est l'homme nous est. Nous faisons effort, nous capables, nous avons bonne intention, mais c'est bon Dieu qui peut nous la vie, la santé et la sagesse. Et la sagesse, pour moi, capable, eh bien, t'as capable de faire ça. Son bon désir, mais c'est Dieu qui peut mettre possibilité à dans cœur. Donc, on n'a pas oublié à chaque époque sur la terre, il y a un groupe monde qui prémisse de la terre. Dans l'époque Noé, une semaine avant le déluge, non, dans l'époque Noé, il y a 9 monde qui prémisse sur la terre. Mais puisque je touché là, mouille à 969 ans, exactement l'année de déluge après le commencer, quelques semaines avant le déluge, eh bien, il y a 8 monde qui vivent. Dans 8 monde qui vivent sur la terre, une semaine avant le déluge, il y a seulement dans tout le monde qui vivent sur la terre, 8 prémices. Dans l'époque où nous vivons là, qu'on est là, premier monde qui tendait, qui comprend, qui n'a vu l'évangile là, c'est pas ni adventiste, c'est pas ni témoin Jéhovah, c'est pas ni catholique, c'est l'épouse. C'est l'épouse. Une fois l'épouse élevée, qu'on est là, il faut un remplaçant. Parce que chaque génération fait des prémices. Il faut un groupe qui prémices, premier monde qui tendait Christ dans l'époque là. Une fois l'épouse sorti quitter la terre, on y a moun ki pral prémisse, ki pral premier tande sa Dieu a dit. Moun ki pral premier gen oreille, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Ça c'est l'église des nations. Maintenant, une fois que l'église des nations enlevé, moun ki pral gen oreille, moun ki va gagner oreille pour tande ce que l'esprit dit après l'enlèvement, premier monde qui va gagner oreille pour entendre ce que l'esprit dit, ce seront les 144 000. Les premiers à entendre, les premiers à apprendre le cantique nouveau, les prémices. Prémices veut dire premier. Et puis, reste mounio était en dernier. Prémices veut dire ou premier dans la classe là. Et puis, monde qui pas premier, dernier. Donc, dans les juifs, on parle de prémices, les juifs. Ensuite, on parle de gagner les restes manger gâté, les juifs. Yo. Même Jean-Jodia, dans l'église, en général, dans toute l'église là, il y a l'épouse qui se prémisse, et puis tout reste masse, moun kap adore, bon Dieu, chaque samedi, chaque dimanche, ça c'est reste manger gâté. Donc, moun n'a pas mis l'église qui conforme à l'évangile de l'apôtre Paul, qui marchait droitement selon l'évangile de l'apôtre Paul, la Bible est Léo, l'épouse. Et puis, groupe masse théologie, masse protestant, masse catholique, qui croit dans mon Dieu tout, adore mon Dieu, qui fait mieux à tout, mais qui a raté l'enlèvement, parce que n'a pas marché dans la doctrine de l'apôtre Paul, sans retirer, sans mettre, yo ajouté petit bagage, yo retiré petit bagage, yo ajouté petit bagage dans l'évangile là. Yo ajoute ti bagay, yo retire. Yo ajoute, yo retire. A cause yo ajoute, yo retire, le bon Dieu retourne pour l'enlèvement. Bon Dieu pas vini joignyo avec un l'évangile qui cordial. Dieu vini joignyo dans l'évangile, mais un l'évangile qui gagne yon mélange, yon ajoutage, yon café ak let. Un café mélangé avec let. Yo gen l'évangile, oui, mais son mélange de café ak let. Un mélange de théologie, sa théologie dit avec, donc, il y a Jésus quand même, il y a Jésus tout, il y a la prière tout, il y a jeûné tout, il y a prêché l'évangile tout. Ouais, mais, doctrine n'est pas cordium. Mais bon, groupe moun qui a lutté pour être dans la doctrine de l'apôtre Paul, sans retirer, sans mettre. Groupe moun ça, la Bible, l'épouse.
mais gros groupe moun ki dans l'église nan tan ap viv la, oui dans l'évangile, mais yo gagne en sorte de mélange, yo pa prend toute vérité la pour Paul te di yo. Donc on y a là, c'est ça qui fait que yo même y a raté l'enlèvement et en pile nan yo va rester pour la grande tribulation après l'enlèvement. Mais parmi tout le monde après l'enlèvement qui était dans la grande tribulation, la Bible dit c'est seulement les 144 000 juifs seulement qui prémissent en premier parmi monde sous la terre, tout monde sous la terre qui va rester vivant sous la terre dans l'époque après l'enlèvement. Donc nous comprenons 144 millions, nous commençons à comprendre qui moun yo ye, et pour qui ça la Bible dit yo prémisse de toute la terre, ça va veut dire prémisse dans tout moun sous la terre qui passe depuis Adam, c'est 144 000 moun kap sauvé. M'tande yon moun te dit ça dans protestant, c'est pas ça non. La Bible dit prémisse de toute la terre dans époque, dans génération ça, dans génération moun qui vivant sur la terre après l'enlèvement de l'épouse. Donc, nous commençons pour différence entre les 144 000 qui rencontrent Jésus sur la montagne de Sion et l'épouse lui-même qui rencontrait Jésus, qui côté l'épouse rencontrait Jésus sur les nuées. Donc, c'est un coup 144 millions, c'est un coup yon moun qui pas passé dans le mois de juin. Yon moun qui a baccalauréat, il pas passé dans le mois de juin. Et puis, quand il a li poil passé juste dans le mois de septembre, 144 millions pas passé dans le mois de juin, yon raté l'enlèvement. Yon raté le mois de juin. Yon poil passé baccalauréat juste dans la journée, juste dans septembre. Yo pa passe baccalauréat juste dans repêchage. Donc oui, pourquoi les 144 000 n'auront pas à rencontrer Christ sur les nuées? C'est parce que le cantique nouveau, yo pa geta konnen cantique nouveau. Le cantique nouveau, c'est l'évangile du Nouveau Testament, nouveau contrat, le cantique nouveau. C'est le cantique, l'évangile du Nouveau Testament des apôtres, des douze apôtres. Là, on dit cantique nouveau. C'est pour moi qu'il y a cantique nouveau, mais c'est l'évangile des apôtres. C'est qu'on y a là que juif pour l'accepter l'évangile du Nouveau Testament. Premier groupement juif qui pour l'accepter l'évangile Nouveau Testament, cantique nouveau, premier groupement juif qui pour réaliser que l'Ancien Testament parle valable encore, c'est va les 144 000 juifs des tribus d'Israël. C'est un premier juif qui parle d'accord que l'Ancien Testament juif là, dans la pratique là, jusqu'à présent là, c'est le même qui parle que c'est tout à perdu dans l'Ancien Testament. Il faut apprendre le cantique nouveau. Il faut apprendre le Nouveau Testament. Le nouveau contrat. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont un ancien contrat. Jusqu'à présent, juif dans l'ancien contrat. Juif pour que j'aime traverser dans le Nouveau Testament. Juif pour que j'aime traverser dans le nouveau contrat. Juif pour que j'aime prendre l'évangile des douze apôtres. Oui, mes amis, nous sommes là. Si j'ai nous aujourd'hui l'itérilé, pourquoi les 144 000 n'auront pas à rencontrer Christ sur les nuées? Pourquoi les 144 000 n'auront pas à rencontrer l'agneau dans les airs? Ou t'as écouté émission La Bible à 100% avec votre très simple et très humble frère, le frère Bruno. Nous bâillons Dieu toute gloire, tout honneur et nous remercions pour le moment ça a été passé ensemble avec vous. Moi, saluez vous et moi, casser rendez-vous avec vous pour notre roumblé sur la Bible, notre roumblé dans le livre de l'Apocalypse. À bientôt et à tantôt. Je vous aime bien. Bye bye.